la Paris Games Week, entendu Peaky Blinders. Petit défi aujourd'hui, c'est de garder les chaussures toute la journée. Voilà, allez, on y go. Ici nous retrouvons Naimo avec qui j'ai fait une vidéo sur Minecraft en train de jouer à Fortnite et de nous réaliser un top 1. Ensuite, ça a été à mon tour de jouer à Gears 5. Et plus tard dans la journée, j'ai rejoué à Gears 5 avec Nymov à un autre stand. Gears 5 est un jeu d'action disponible sur Xbox et PC. Il est la suite des Gears of War pour ceux qui connaissent. Très très bon jeu que j'ai beaucoup apprécié. J'y jouais sur la Xbox au Gears of War, mais sur PC je n'avais pas l'habitude, donc pour se mettre dans les touches c'est un peu bizarre. Mais voilà, il y avait de la place pour jouer sur PC, donc on a pris la place. Ce que je peux dire sur le jeu, c'est qu'il est puissant, il est graphiquement trop bien, ça reste dans le thème des Gears of War, c'est toujours la même chose, et j'adore, voilà, tout simplement, si vous comptez l'acheter ou si vous l'avez déjà acheté, bah voilà, dites-moi votre avis un peu dessus dans les commentaires. Ici, nous avons Léa la gameuse en train de jouer à Pat Patrouille. Léa, en un mot, est-ce que tu peux me décrire le jeu ? Incroyable ! Avec Léa et Naimo, nous avons testé Bleeding Edge, un jeu disponible sur PC et Xbox qui ressemble énormément au style d'Overwatch, avec des personnages à gérer, avec chacun des capacités d'attaque et puis de défense, ça dépend, hein, le type de personnage, d'assaut, de défense, de protection, de soins. Voilà, donc on a essayé tout ça, on était en équipe, donc nous trois avec
une autre personne contre une autre équipe. La maniabilité était assez dure au début parce qu'on ne connaissait pas donc les personnages. On avait un petit tuto très court pour essayer ce jeu, d'essayer de se débrouiller comme on pouvait, même si à la fin nous avons perdu. L'important c'est d'avoir participé et d'avoir pu tester ce jeu. En une seule manche. Shifumi. Oh là 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 là. Tu vois, même à ça. Ah, c'est d'aller trop fort. La PGW m'a aussi permis de voir un youtubeur que je suis depuis très longtemps, dont je suis très fan, j'adore ses vidéos, et j'ai pu parler avec, ça a été super cool, on a pu parler pendant 5 minutes au moins, et c'était top, merci à toi Seros. En bref, la Paris Games Week est gigantesque. Pour conclure, la Paris Games Week est juste énorme. C'est un peu le paradis du gamer, on peut dire. Lorsqu'on se balade à la Paris Games Week, on est ambiancé par les différents stands et les tournois. Et on ne se lasse pas de ça parce que les musiques sont différentes sur chaque stand et c'est super. Et sur chaque stand, il y a du matériel gamer où on peut voir des PC qui sont customisés à fond et qui sont vraiment vraiment stylés. Et il y a aussi les cosplays qui sont juste magnifiques. Et si votre question à la fin c'est est-ce que j'y retourne l'année prochaine, je vous répondrai bien sûr que oui. Fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, on lâche un gros pouce bleu et on s'abonne. On n'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette Paris Games Week 2019 et de cette vidéo, voilà. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, ciao.